mouvement point final la plateforme nationale paysan haïtien sous bon payo croit population haïtienne dans loin toujours pour connait en semaine meilleure en demain meilleure malgré entrée en fonction un nouveau gouvernement après révocation Gary Conille. Nouveau dirigeant yo pas inspiré confiance d'après ça à la tête de structure sa yo qui croit population a pas qu'à espérer en rien, même là, il y a l'autre secteur politique qui dit y a suivre comportement nouveau premier ministre là, qui a un pile gros défi pour le lever. On a suivi un reportage avec collaborateur nous, Jean-Georges Blaise. Premier chantier incontournable et qui conditionne la réussite de la transition est le rétablissement de la sécurité. Alex Didier Fils-Aimé. Depuis journée lundi 11 novembre 2024 là, prend ma tête là. Nan place ancien premier ministre là qui perdit job là 5 mois après rentrer en fonction Gary Conille qui d'après en pile monde pas réussi délivrer marchandise là. Au contraire, tableau vin pi sombre ak doc là qui était plus lagué nan fait promesse sous promesse car les postes pendant toute son population a coucouman en bas toute qualité traka. La dayo, insécurité tête chargée a comme pigou défi jusqu'à maintenant. Qui donc? Misère a campé ten face, pour ne pas dire pire aide nan royal moun yo qui même perdit l'espoir pour yon de mes miyo. Puisque ça ka passe là, nan chouette politique là, yon bon moun di yo pa wè clair. Quant à pour ancien chef gouvernement, pas gen bilan, c'est vrai. Mais nan j'ai observate et avise yo, route là capable pi long toujours surtout ak yon conseil présidentiel qui d'après un pile moun pas inspiré confiance non plus après scandale la honte BNC a qui donc CPTA pas gen crédibilité assez pour engager pays a dans quelque soit décision d'après équipe mouvement point final là cap di comment y aurait choix nouveau PM nan Ulysse Jean Chenet. C'est un pays déjà fragile déjà. L'elle prend une décision pareille sans que l'y pas chercher un consensus largement large, il vient encore plus fragiliser tête li. Mais c'est ça que fait nous autres au sein du mouvement point final. Certes, nous d'accord avec révocation Gary Conille qui fait un pile ingérence, qui fait un pile fausse promesse, qui pas bas résultat, qui pas permettre insécurité à résoudre, qui pas aborder crise humanitaire là, qui pas aborder problème la vie chère là en d'un pays hein, et que nous d'accord et CPT a révoqué. Mais quant à pour choix et monsieur Alex Didier Fils-Aimé, Jean que yo fait là nous dit que yo aller trop vite en besoin parce que CPT a pas capable de penser que pays appartient à eux-mêmes. Nous avons une conjoncture spéciale, il faut toujours rechercher un consensus largement large pour permettre que ces PTA te jouent en certaine légitimité, ce qui n'a pas été fait, qui donc ces PTA les viennent fragiliser tête davantage. Et plateforme nationale paysan haïtien yo aller plus loin toujours nan cause ya. Yon processus qui d'ailleurs mal parti d'après Durand Jean-Louis qui fait qu'on est tout ça prouvé population après longtemps pour qu'on ait yon aller mieux qui pas vivre dans pays yo traité yo et paysan yo et paysan planteur yo moun sa yo son série de moun qui pas ka espérer rien dans changement gouvernement parce que j'en ai fait bagaille aujourd'hui jodi a là c'est vini faire 2 3 4 5 mois plein pour chou aller parce que yo pas grand ken côté qui pour aller yo pas grand ken secteur dans vie nationale là qui pour aller relé yo pas grand ken organe de surveillance qui gen pour relé yo donc c'est pillé aller mais seul bagaille nous même nous t'a proposé c'est que nèg yo t'a tourné à l'ordre constitutionnel pour yon ta aller choisir un juge de cour de cassation, de quoi yon ta gen possibilité aller dans l'élection pour yon ta renouveler personnel politique yon, laisse à secteur paysan, ti paysan planteur yon, ti machan yon, ti madan sara yon, laisse à yon ta gen espoir que un jour yon ta pon souffle, gouvernement ta pense avec yon. En tout cas, défi captain nouveau chef gouvernement, pas petit du tout. Surtout, ak problème insécurité ça, il t'a dû faire partie liste priorité PM Alex Didier Fils-Aimé selon yon lot militant politique dans grand sud-là qui bail disons le tout dans cause ya. Mais contrairement
ak position en vent yo, agronom Gary Alliance dit l'ap suiv pito comportement chef gouvernement tout neuf la. Monsieur Doué, c'est vrai donc que insécurité a parlé de lui, c'est lui qui a attaqué. Et nous connaissons attaquer insécurité, c'est déjà attaquer intérêt ensemble et de puissance, parce que c'est son pays qui est vraiment sous coupe réglé. Et bien, Nabdi Li, il doit mettre Grand Sud-Lan, disons, un gros projet qu'il a gagné, hein, particulièrement la région des Palmes. Et faut nous pacifier le pays, il faut nous récupérer tout le territoire qui est livré. Et en plus, et aéroport grand aéroport Okaila Antoine Simon aéroport international et port Saint-Louis doué effectif et efficace et usine d'abord doué l'ouvrir. Ceci c'est pour me dire que Grand Sud-Lan a capacité pour le bas environ 100 000 jobs et en un pays a si nous voulons de parler de croissance si nous voulons parler de développement. Donc c'est là Naptan Alix et si lui-même n'y arrivait pas à côté nous en tant que monde qui a fait politique, en tant que monde qui a suivi politique là, eh bien, nous avons le premier monde qui a dit Michel Chouté dehors qu'il doit tirer la révérence. Alix Didier Fizeme, homme d'affaires, comme choix conseil présidentiel transition, fait en tout cas troisième personnage pays à Geta Konela comme premier ministre depuis assassinat ancien président Jovenel Moïse, côté Jouk Jounen Jodi, Tiboutessa a arrêté Yon Bato sans gouvernail, malgré tout râle bienvenu, surtout à présence yon force multinationale pour patate, eh bien, nad marinade, en rien pas certain pour la République qui tournait yon l'enfer avec gang vive ensemble, kap continue pété balle, nan yon capital qui vin pisal, sa konne ki le la vie normale, ap capable retourner comme ça doit, nan yon man côté, même aéroport international là, rete ak porte fermée à cause action terroriste qui était sous deux pieds militaires depuis après révocation Gary Conille en pilote monde considéré comme un coup de couteau Lavalas. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM.